Alors, montrez-moi. Alors, donc on va entrer dans une chambre. Donc on découvre une des chambres qui s'appelle la rétro. Ouais. Qui a vu sur les vallées et le jardin avec les bambous. Et qui a une vraie vue dégagée sur les vallées. Ah, ouais, c'est formidable. Les bambous, effectivement. Et puis un style. Voilà, un style un peu rétro. Elle porte ce nom parce qu'en fait j'ai récupéré le carrelage et le vieil évier dans un appartement d'un ami à Roubaix. Ah oui. Voilà. Donc du coup, j'ai... Donc du coup, vous êtes parti de cette idée pour faire une chambre rétro. Voilà, l'idée est partie de là. D'accord, c'est sympa. Vous avez dit des thématiques différentes dans chaque chambre. Oui. C'est ça l'idée. Donc celle-ci, elle s'appelle la rétro. Il y a la mauresque qui a une inspiration plutôt... Moyen-Oriental, on va dire. Oui. Une familiale avec une chambre plutôt contemporaine en gris et une chambre des enfants plutôt africaine. Il y a une chambre nature qui est un mélange de bois, de pierre. Voilà, de bois et de pierre. Et puis, il y a la chambre romantique qui est dans les tons rouges avec une cheminée.